Hey Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour. Je dirais la suite d'Idols, mais non! Le redébut d'Idols! Le redébut. Qu'est-ce que j'inventerais pas, moi? Donc, du coup, on se retrouve pour Idols, où on va jouer la partie avec Ginny cette fois. Bon, c'est que le début, du coup, il n'y aura pas vraiment de grands changements envers d'habitude, juste quelques trucs, je pense. Mais! Nous dire voilà. Du coup, j'ai changé le nom. Hein. C'est pas Rosaiwa, c'est Mina-chan. Et c'est le nom de mon OC. Voilà. Est-ce que c'est important? Je sais pas. Honnêtement, dites-le-moi. Mais c'est pas que vous paniquez parce qu'elle s'appelle pas Saiwa ou Snowy. Parce que sinon, je mets Snowy. Mais voilà. C'est tout. Et quoi de mieux pour redécouvrir ce jeu qu'Idols, franchement. En même temps, j'ai pas d'autres jeux à faire, pour être honnête. Du coup, voilà, je refais Idols, c'est tout. En plus, je me rappelle plus du tout du début. J'aurais des trucs que j'ai presque tout oublié, parce que quand je raconte, je suis en mode... Et c'est passé quoi déjà, cet épisode-là? Bah alors, heureusement que je refais les jeux, quoi. Alors que nous avançons à peine dans le hall des arrivées de l'aéroport d'Incheon, un groupe de personnes qui courent manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré tout prises en tenaille dans la foule agitée. Par contre, ça n'a pas changé. Je ne sais pas lire. J'entends crier autour de moi que je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés. Alors que nous Alors qu'on nous bouscule à nouveau sans ménagement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouveau mouvement de foule qui nous entraîne 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans s'excuser. Je sais plus ce que j'avais mis. J'essaie de pas faire les mêmes choix. Parce que bah, ça changera mon histoire et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah. Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai déjà oublié que c'était. Une autre personne me frôle. Merci. Un peu interloqué, je lève les yeux vers le jeune homme qui vient de me remercier. Juste le temps de voir. Ses yeux très bleus au-dessus de son masque avant qu'il ne me dépasse. Une seconde plus tard, la foule se referme et me presse à nouveau comme un citron. Yes. Mais. Ah, mais oui. Je dirais que j'ai déjà Raon et Claire, mais c'est vrai, du coup, ça change rien. Genre, si j'ai des trucs, j'aurai toujours les mêmes trucs en fait. Du coup, ça va être chiant pour regarder. Je suis désolée, ceux qui me découvrent avec la partie de Ginny, mais bon. Voilà, du coup, je vais pas relire à chaque fois, j'ai les mêmes trucs. Du coup, je risque juste de redébloquer des trucs que j'ai pas débloqués. Genre, par exemple, dans les dernières parties, j'ai reçu les trucs d'Aniel. Bah là, je recevrai les trucs de Ginny. Un pas chiant le truc, quoi. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. Je croyais qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où on le trouve un peu d'espace pour respirer, arc un sourcil. De quoi tu parles? S'agissait de fans, des fans du groupe Jennifer Zoon. Je viens de me retrouver face à Eliane. Tu es sûr? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore la clameur au loin. Absolument sûr, et d'ailleurs j'ai entendu décrire le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc. À peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Alors, je n'ai même pas parlé. Ça me saoule. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faudra raconter ça à Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher, sinon elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. Oups. Non, c'est bon. Je n'ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois que je vois notre buddy. Là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous reposer chez nous.
L'avion qui nous a amenés de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes, après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station assise. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud pour un an dans le cadre de mes études LLCER coréen. Je l'ai réussi à le dire cette fois. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible sous mes pieds et autour de moi, alors que l'aéroport d'Incheon grouille de monde. Je sais toujours pas parler, c'est cool ça. Ça, faudra s'habituer. Pour ceux qui me découvrent avec Ginny, je ne sais pas parler. Voilà. J'ai commencé à réaliser que tout cela est très vrai quand nous avons quitté l'avion, puis la navette qui nous a amené à la sécurité. Wow. Des femmes en habit traditionnel coréen nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les hanbok et les fils pour prendre la navette, droite comme des i, très loin des queues qui ressemblent à rien du RER de Roissy. Oui, je sais plus ce que c'est par contre. Hanbok, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Bah du coup, ouais. Je sais pas quoi dire, j'ai pas de... Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Arrête de bailler au Corneille et viens. Quand elle me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Raon, qu'est-ce que c'était chiante au début, je m'en souviens. Maintenant ça va, mais qu'est-ce que t'étais chiante, ça par exemple je m'en souviens. Ça je m'en souviens. Cécile lève vers nous un regard en retenue. Ouais, je sais toujours pas parler. Puis un sourire timide. Bonjour, je suis Raon Kang. Bah, tu vois, j'avais oublié. Voilà, maintenant je sais son nom en entier, mais je vais re-oublier, donc c'est pas grave. Et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle parle d'une voix réservée, avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. Bonjour Yumi Kwak, ravi de te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. En même temps, toi non plus tu n'as pas un prénom français du coup vu que tu es mon OC. Merci beaucoup de t'être donné la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit rire embarrassé. Suivez-moi et nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Raon. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche très vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire plus petite cannelée. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stationnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voiture que Raon nous indique. Je range ma valise dans le coffre, puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. Car ça, il va falloir t'habituer au climat, mais pour le moment, profite. Je souris et ferme d'un instant les yeux. Dans un peu moins d'1h30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. Loin de ma famille et de mes amis, restés à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir, même si heureusement Claire est avec moi. En réalité, Claire est ma cousine. Nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires. Ah! Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses 7 ans, puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petites. On se parlait sur internet, mais c'est pas vraiment pareil. Assise à l'avant, à côté de Raon, Claire discute actuellement de bons trains avec notre buddy. Quel âge avez-vous? 23 ans. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. 22 en âge international, mais 23 en âge coréen. T'oublies qu'ici on compte le temps passé dans le ventre de la mer. J'oublie toujours ça. C'est pas du tout naturel pour moi de penser comme ça. Sans que je m'arrache les cheveux à chaque fois qu'il va falloir refaire des calculs de différence d'âge. Puisque, et cela je m'en souviens, ces différences d'âge déterminent le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. J'espère quand même que je commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le pli. Alors, non, c'est pas rêvé, je pense. Et toi, Raon, tu as quel âge? 23 comme vous, et vous allez habiter dans quel quartier?
Surtout qu'Aaron a adopté une façon plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Gwangjin. Ça, j'arrive toujours pas à le dire, par contre. Plutôt du côté de l'université Tekkumkuk. Tu vois où ça se trouve? Oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement? Plutôt vers Waiyang. Ça aurait été sympa d'aller vers le fleuve, mais ce n'était pas les mêmes prix. Je sais plus ce que j'avais demandé, mais je vais dire ça plutôt. Je peux te demander le sujet de ton mémoire, Aaron? Je me suis spécialisée dans l'archéologie nationale. Je suis très fière des beautés de mon pays. Je sais plus. Je sais plus ce que je lui ai demandé, honnêtement. Et vous? Ah, oh, ça ne sera pas aussi passionnant que toi. Pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur la science politique. Et moi, je me spécialise en sociologie. Ah, bah tiens. Je vais rien dire parce que peut-être qu'il y en a qui découvrent vraiment le jeu avec Dini. Mais du coup, moi, j'ai des coïncidences de vers la fin. Du coup, je vais pas le dire, mais. Après, si vous regardez mes deux let's play d'ailleurs, merci. Mais waouh, je pensais pas. Du coup, parce que j'avais oublié. Vous avez laissé des petits copains à Paris? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer? Ah oui, cette question au début du jeu, elle m'avait stressée. Et non. Raon hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme, sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultra-modernes. Je peux pas m'empêcher de regarder par la fenêtre presque abasourdi par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne et les bâtiments me dépaysent complètement. Tout est concret et ma discussion avec Raon et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Rien, je suis juste super contente. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en rentrant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle, et donc Colin, son frère aîné. Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée? La voix de Raon s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. Laissez Eric la répondre. Non, j'avais laissé Claire répondre déjà, mais je vais le refaire. Je lance un regard à un Claire qui se jette aussitôt à l'eau. En fait, ma mère est française, du coup, j'ai vécu en France jusqu'à mes 7 ans environ, puis ma famille a déménagé à Séoul. Mon père, lui, est coréen. J'ai vécu jusqu'ici jusqu'au moment. J'ai vécu ici jusqu'au moment où je suis repartie vers mes études supérieures à Paris. Ouh! Ah oui, mince, mon nom, il est que en. Il est que en majuscule. C'est pas grave. Quant à Minatian, c'est sa première fois. Moi aussi, je rêve d'aller en France et de visiter Paris. J'ai pas fait sa voix. J'ai fait ma voix. Du coup, c'était très bizarre. Je souris et tourne à nouveau la tête, tandis que nous pénétrons enfin dans Séoul. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Minachan, précisément? Elle a dit d'un ton intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je crois que j'avais dit la culture. Voilà. Comme je fais des études de coréen, j'en ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Et je serais intéressée de voir tout ça en vrai et de me plonger dans l'atmosphère. Je préfère éviter d'entrer de jeu de dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup aussi. Je sais pas qu'on pense que c'est que pour la K-pop que je voulais venir ici alors que pas du tout. J'aime la K-pop, c'est vrai, mais la culture au sens large de. Au sens large. Et l'histoire m'intéresse beaucoup aussi. Claire me fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous amener chez nous. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Raon. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous tourner vers l'immeuble. Allez, ma petite Minachan, ça va faire bizarre à chaque fois de plus voir Saiwa et de voir Minachan. Et de voir surtout ma gaffe de l'avoir mis en entier.
Super impatient de découvrir notre nouveau chez nous pour un an. Et moi alors, au pas de course. Hé, hey, attends-moi! De toute façon, c'est moi qui ai le papier avec le digicode de notre porte. Dunaire, ma vieille Dunaire! Elle pouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort le fameux papier de son sac à main. Prête? Je hoche la tête avec impatience. Éclaire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Oh, le porte d'entrée. Oui, Théa, tu es très française. Je sais pas parler, ça m'énerve. Quelques étages plus haut, nous voici arrivés chez nous. Nous allons nous. Nous, oui. Nous laissons nos chaussures dans le petit hall carrelé et pénétrons plus encore dans le salon ou en parquet. Je sais plus parler, ça m'énerve. Alors, verdict? Eh bien. Ça serait grand, je trouve. Et puis on a une vue plutôt sympa d'ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige, car c'est haut. Bon. Je vais venir Colin qu'on arrivait quand même. Je lui lance un petit regard en coin accusateur. Tu n'as toujours pas fait? Eh bien, non, j'ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé, donc mon message lui fera passer au-dessus. Le sera passé au-dessus. Ouais. Je sais pas parler, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Même si vous me découvrez, vous avez l'habitude déjà. Claire s'assied à même le sol devant sa valise ouverte en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et entre dans un espace où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Waouh, c'est haut, 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, désolé, mais bon, on en a un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore au studio, là, ou pas? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Les souvenirs que j'ai avec Colin, c'est quand nous étions encore hauts comme trois pommes, et qu'ils venaient avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. Et c'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à nous à séparer nos deux parties de la famille. Tu vas parler, c'est cool. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters de Star Star. Je me souviens que Colin, quant à lui, manquait deux dents de lait et qu'il... Je me souviens de Colin quand il lui manquait deux dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas trop en profondeur de son frère, qu'elle n'a pas vu depuis non plus depuis 4 ans. Et puis elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fois que personne n'est au courant, et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Car sur ça, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur société ne cesse de grimper en flèche. Et ils remplissent déjà de grandes salles, eux, à eux seuls. Ouais. Je sais chanter et je sais... Oui. Je sais parler. Je sais même pas parler. Même ça, j'arrive pas, quoi. Même à dire que ce que j'arrive pas à faire, je sais pas le faire. C'est fou, quand même. Ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de le rencontrer et de rencontrer les autres membres du groupe. Rien que d'y penser, bon. J'ai un sursaut qui a au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon où il commence à faire très chaud. Je referme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim et dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec Sertar. Présentement, le contenu de ma valise qui ne va pas se vider toute seule. Je me redresse en faisant craquer mes genoux, arrachant un cri outré à Claire. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté, ça me fait rire. Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre et soirée à chacune d'entre nous. Je pousse la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui donne sur la rue. Je range patiemment mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface d'un mur. Je fais ensuite mon lit, puis dispose près de l'oreiller les deux peluches râpées que j'ai absolument voulu emmener avec moi.
Un petit lapin jaune dont le museau est manquant, et un chat dont l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Puis j'accroche au mur plusieurs posters que je n'aurais laissés derrière moi pour rien au monde. Un groupe de filles et de garçons, plus ou moins célèbres, se retrouvent ainsi tout près de la fenêtre. Mais je garde mes deux autres posters qui, eux, iront juste au-dessus de mon lit. Je grimpe sur le matelas et d'un petit bout de langue au coin de la bouche, je pose le premier avec application. Un photoshoot de Serstar pour la sortie de leur premier album. Tous les cinq en ligne, un bras par-dessus l'autre de son voisin, et mon cousin est au centre. J'adore vraiment cette photo que je trouve magnifique. À côté, j'accroche un poster de Jennifer's June, mon autre groupe favori. Les quatre membres se sont installés par terre, dans des poses soigneusement étudiées. Ouais, je suis pas trompée. Si certaines fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les deux groupes sont en rivalité permanente. Et beaucoup de fans de l'un sont anti-fans de l'autre. Mais moi, je les aime chacun à leur manière. Dire que j'étais au même endroit que tout à l'heure et que j'ai parlé à l'un d'eux, j'ai encore un peu du mal à le croire. Enfin, parler, c'est vite dit, hein. Je descends finalement de mon lit et je jette un regard circulaire à ma chambre. J'essaie de recréer le petit cocon que j'ai laissé à Paris et je prends une photo pour l'envoyer à mes parents. On a été voir Claire la dernière fois, je sais plus. Bonjour, je vais voir Claire. Bon, maintenant que tout ceci est réglé, je sors de ma chambre rapidement. Claire, je peux entrer ou pas? Oui, oui. Je pousse la porte sans attendre. Bonsoir, Claire! Ma cousine en sous-vêtements se dandine au milieu de la chambre en chantonnant. Bah quoi, je suis juste en train de m'habiller. Va falloir que tu t'habitues, car qu'est-ce que tu vas faire quand on ira dans les publics? J'aurai un peu de mal, mais à chaque jour suffit sa peine. Dis-moi plutôt si tu as eu Colin. Claire me répond tout en enfilant une petite robe d'été très courte, mais à manches longues. Oui, oui, il nous a donné rendez-vous dans une heure. Une heure? Il faut que j'aille me préparer si ça, alors. J'ai encore une douche à prendre. Ça marche, t'attendrai dans le salon. J'hésite cependant une seconde avant de quitter la pièce. Je sais plus ce que j'avais dit. Je lui merde ça, je sais plus ce que j'avais dit. Non, rien de spécifique. Mais on pourra le cuisiner longuement sur tous les sujets quand on sera en sa présence. Est-ce que j'attendais ce qu'ils disent? Je sais pas, si elle était seule à son appart. Ah, c'est ça qui t'inquiète. Écoute, tu n'as rien dit et j'en sais rien. Mais je suis sûre que tout ira bien et je te reviendrai si tu menaces de tomber dans les pommes. Ça me fais pas passer pour une midinette non plus. Allez, file, sinon tu n'auras pas le temps de prendre ta douche. J'acquiesce et retourne dans ma chambre pour sélectionner quelques vêtements légers, puis m'enferme dans la salle de bain, je sais pas lire. Je suis prête. Super, et bien, il n'y a plus qu'à. En espérant qu'on arrive à se repérer dans les indications que Colin m'a filées. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur Google Maps, puisqu'on ne peut pas calculer ses itinéraires avec. J'ai lu sur internet. Il faudrait qu'on installe l'application de Naver ou de Kakao Talk sur nos smartphones. Allez, en route. Je prends une légère inspiration, puis je suis ma cousine hors de notre tout nouvel appartement, le cœur déjà battant. Ah oui, c'est vrai qu'il s'arrête aussi vite. Bah du coup, je vais continuer. Je pensais tout ce que j'avais prévu. Après, peu importe le temps du chapitre, qui soit court, genre 30 minutes, ce sera toujours que un chapitre, parce que d'habitude j'arrive à en faire deux et ça durait très longtemps. Mais sachant que ça va redurer très longtemps après et que on sera plus en vacances. Non. Non, je ne peux pas faire ça, je peux pas me permettre. Commencer le chapitre 2. Chapitre 2, Serstar, enfin deux membres. Ouais, je spoil déjà, y'a quoi? Je suis Claire dans les rues de Séoul gorgée de monde. Nous slalomons entre les Coréens qui zigzaguent le nez sur leur téléphone plutôt que le trottoir devant eux. Ça ne m'avait pas manqué, ça tient. Ceux qui nous remarquent nous jettent des petits regards curieux en dernière minute sans oser nous regarder ouvertement. C'est vrai qu'on ne croise pas beaucoup d'autres occidentaux pour l'instant. Et Claire est peut-être à moitié coréenne, mais elle est naturellement blonde comme son frère. Et ce n'est pas courant non plus. Et tu verras à l'heure de sortie des bureaux tous les employés ivres qui ne marchent plus droit.
Pour l'heure, je vois surtout que ni ma cousine ni les passants ne semblent affectés par la chaleur et l'humidité qui règnent. Pourtant, 5 minutes après avoir quitté l'immeuble et sa climatisation, moi j'étais déjà en nage. Ce n'est pas comme un jour de canicule en France où on brûle ici. La chaleur fait comme un mur avec lequel on rentre en collision. L'air est si épais qu'on ne peut presque pas l'inspirer. Ouais, bah du coup, j'ai déjà. Il est également si saturé d'eau, même sans pluie, que j'ai presque l'impression de m'y noyer. Mon haut colle à ma peau, des gouttes commencent à perler sous mes cheveux et les montures de mes lunettes de soleil. Pourvu que personne ne remarque rien, j'ai des coups d'œil un peu inquiet aux alentours, mais personne ne fait vraiment attention à moi. Les goélands ont l'air pimpantes et fraîches comme des roses malgré leur eau à manches longues. Certaines se cachent du soleil sous des parapluies, d'autres s'aèrent tout en marchant avec de mini-ventilateurs. Je passe le dos de ma main sur mon front, je me sens embarrassée. Je n'ai même pas dû mettre une robe avec des manches si fines. Je n'aurais pas dû mettre une robe avec des manches si fines non plus, car les autres filles sont plus couvertes. Ah, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Une bonne demi-coréenne qui a vécu 10 ans ici, Claire ne semble pas non plus affectée par l'été séoulien. Elle se penche toutefois vers moi d'un air compatissant. Il y aura la clim dans l'appart de Colin, ne t'en fais pas. On pourra aussi t'acheter un ventilateur de poche. Elle a dû remarquer que je suis rouge et que je transpire. Et si Colin et ses amis s'en rendent compte aussi? Ah là là, c'est vrai qu'elle va toujours être stressée au début. Aussitôt le stress me donne encore plus chaud. Mes joues deviennent encore plus cramoisies, si c'est possible. Ça fait toujours ça aux visiteurs durant juillet et août, donc tu es loin d'être la seule, ne t'inquiète pas. Elle me prend par le bras. Je dois lutter contre moi-même pour ne pas reposer sa main sur ma peau moite. On demandera au garçon une boisson fraîche ou une glace, s'ils en ont. C'est une excellente idée. J'espère qu'il ne trouvera pas ça trop exigeant. Claire fronce les sourcils. Tu plaisantes, j'espère. On dirait qu'elle m'engueule parce que c'est en gros, c'est. Colin ne m'a pas vu depuis 4 ans. Moi, sa petite sœur. S'il trouve après tout ce temps qu'aller me chercher une boisson trop et fraîche et de trop, je l'en colle une. Et je t'assure, je me considérais comme fille unique ensuite. La véhémence me fait rire. Le caractère bien trempé de ma cousine, tout d'angle droit, m'amuse souvent beaucoup. Si tu frappes un idole, tu auras toutes les fans à tes trousses. Je te préviens et je ne ferai comme si on n'était pas de la même famille et que je ne te connaisserais pas. Je cours très vite et je leur échapperai sans souci. Tout en discutant, nous tournons dans une rue bordée d'autres immeubles. Claire, le bras toujours autour du mien, s'arrête et me retient. C'est ici. Colin m'a dit de l'appeler en arrivant à l'angle de rue. Elle sort son téléphone de son sac à main et cherche son frère dans ses contacts. Tu es sûr qu'ils seront chez eux? Qu'ils ne sont pas à un photoshoot ou à une répétition quelque part? Tandis que cela sonne sur la ligne dans son oreille, Claire secoue ses mèches blondes. Il m'a dit qu'il serait là cet après-midi. Lorsque son frère décroche et un sourire illumine le visage de ma cousine. Elle doit être impatiente d'autant qu'on touche au but. Si je ne voyais pas Valentin, mon propre frère, pendant aussi longtemps, qu'est-ce que je ressentirais? On n'est pas hyper proches non plus, mais bon. La conversation de Claire est très brève, avant qu'elle ne raccroche et pivote vers moi. Colin m'a donné le code d'entrée de l'immeuble, viens. Elle me prend une fois de plus par le bras. Beaucoup d'autres jeunes filles que nous croisons marchent main dans la main, ou bras dessus, ou bras dessous. Alors, je te donne les instructions, Colin. Il m'a dit de faire comme si on savait exactement où on allait et comme si on habitait là. Il y a peut-être des fans devant la résidence et il ne faut pas leur parler. Pas non plus donner à penser qu'on va rendre visite au groupe. Enfin bref, on fonce comme si on rentrait simplement chez nous. Je vais mettre ça cette fois. Évidemment, on fonce, c'est un verbe qui lui parle. Mais ces histoires de fans m'inquiètent. Je suis plusieurs groupes de K-pop dont Sorcerer sur les réseaux sociaux. Je vois très bien là-bas
ainsi qu'aux concerts et aux émissions télévisées que je trouve sur YouTube, à quel point la ferveur autour d'eux est grande. Alors me retrouver au milieu de fans qui vont jusqu'à attendre devant le domicile de leur idole. J'espère que tout se passera bien et qu'aucune ne devinera pourquoi nous arrivons. Un peu plus loin, Claire arrête sa progression. C'est dans cet immeuble ici, si j'en crois la photo que mon frère m'avait envoyée. Claire a chuchoté tout en tirant mon bras sur le côté pour me faire virer. Heureusement, il fait plutôt calme devant. Seules trois filles en petit groupe, smartphone dégainé, stationnent sur le trottoir. Elles ont la tête penchée sur les écrans. Mon intuition me dit néanmoins qu'elles ne sont pas là par hasard. Je les garde dans mon champ de vision du coin de l'œil. Lorsque Claire tape le code sur le pavé numérique, elle lève la tête et nous observe. L'une d'elles a un mouvement de la main pour lever son portable. Je laisse échapper un juron. Claire grouille des puces, je crois qu'il y a une femme qui veut nous prendre en photo. Ah, shit, Colin ne serait pas content. Viens alors. Elle pousse la porte d'une main et me tire brutalement à l'intérieur du hall de l'autre. Toujours aussi délicate. Le bâton se referme derrière nous sans que j'aie pu voir si la fille avait pris sa photo ou non. Nous nous dirigeons vers l'ascenseur qui arrive dès que nous l'appelons. Quel étage? Le 8e. Tiens, il n'y a pas de bouton 4. Non, le chiffre 4 porte malheur encore et il associe à la mort. Alors on l'évite dans un certain endroit. Je hoche la tête, appuie sur le chiffre. Ad hoc, puis frissonne. Je me liquéfiais sur place avec la chaleur et maintenant j'ai la chair de poule avec la clim à fond. Ah, ça, tu seras sans doute malade dans peu de temps avec le chaud et le froid constant. Mais courage, on y est presque question de seconde maintenant. Il fera sûrement plus agréable dans l'appartement. Sa réflexion me ramène aux interrogations qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Les membres du groupe seront là donc, tu penses? Je n'en ai aucune idée. Mais puisque Golan ne m'a pas et n'est pas en train de travailler, j'imagine que les autres ont peut-être un moment de pause aussi. Tu leur as déjà parlé, toi? Je sais pas pourquoi je chuchote. Ils ne sont pourtant pas cachés dans un coin de l'ascenseur. Non, jamais. Je ne parle pas hyper souvent à mon frère non plus, vu son agenda est hyper chargé et le décalage horaire. Une voix synthétique annonce soudain le 8e étage en coréen. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans la foulée, ce qui me dispense de répondre à la réflexion de ma cousine. Nous y voilà, viens. Je hoche la tête. Sur les talons de Claire, je remonte le couloir. Ma cousine appuie avec vigueur sur une sonnette. Je ne peux m'empêcher mon cœur de battre un peu plus vite. Je connais pourtant Colin, c'est mon cousin. Mais c'est maintenant devenu une star et tant nous sépare depuis toutes ces années. C'est presque comme s'il était un étranger, et pas n'importe quel étranger, une célébrité, membre d'un groupe que j'admire. La porte s'ouvre tout à coup, faisant dérailler mes réflexions. On nous salue dans un mélange de coréen et d'anglais fortement accentué. Non, maintenant on se calme sur Aniel. Ça va être très difficile de me calmer sur Aniel parce que je pétais déjà des 4 sur les 2 avant. Maintenant ça va être Aniel. Oh non. Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Un jeune homme très souriant apparaît devant nous et s'incline légèrement. Ses cheveux rose pâle sont maintenus en chignon au sommet de son crâne, piqués en d'étoiles en argent. Ouais. Il porte une longue tunique blanche ornée d'étoiles également. Accueillant, il nous fait signe de la main pour nous inviter à rentrer. Bienvenue, à entrer s'il vous plaît. Come in, please. Moi, je sais trop parler anglais, donc... Sans prévenir, il lui fait ensuite volte-face et nous plante là. Une fois remise de ma surprise initiale, je l'ai reconnue immédiatement. C'est Aniel, le visio de Sir Star. Le visage est l'ange du groupe. Oh là là. Le membre qui compte le plus de fans, qui déchaîne l'hystérie partout où il passe. À côté de moi, Claire rit tout en passant la porte d'un pas assuré. Mon frère a changé de tête, dis donc. En tout cas, tu as ta réponse, Minatian. Certains de ses amis sont là. Ça me stresse un peu. Et je n'étais pas prêt psychologiquement à tomber sur Aniel sans mise en garde. Il a l'air encore plus beau et plus angélique que sur les photos et les vidéos. J'aspire un grand coup avant de suivre ma cousine dans l'appartement. À peine ai-je refermé le bâton derrière moi que mon cousin Colin arrive à notre rencontre dans le vestibule. Il nous parle en français. Désolé, j'avais un appel imprévu de notre manager. Avec le temps, il a attrapé un très léger accent coréen.
Dis ce que je peux entendre. Et je sais plus ce que j'avais dit. Est-ce que j'ai des souvenirs? Non. Je sais pas, je vais mettre charmant. Je sais plus ce que j'ai vu. Je me disais que tu avais simplement cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Je vois que tu n'es pas devenu plus drôle au fil des ans. Oh, ça clash. Colin sourit tandis que Claire lui fait un câlin chaleureux. Je retire mes chaussures à mon tour et les aligne avec soin sur celles déjà présentes dans le petit hall. Je reconnais bien sûr Colin de ses photos officielles, je reconnais difficilement l'ado de 11 ans qui a quitté Strasbourg. Il est vraiment devenu hyper beau. Ah, je sais plus que je... Ah oui, bah si c'est Colin. Logique. Je me sens intimidée quand ils sont vers moi. Une scène, ça fait tellement longtemps. Je crois que je t'aurais pas reconnu si je t'avais croisé dans la rue. Valentin m'a parfois envoyé des photos de vous, mais malgré ça. C'est vrai que ça fait genre 14 ans qu'on ne s'est plus vu. Alors, je sais qu'il faut pas faire ça, mais j'aimerais bien tenter ça. Sinon, si j'avais fait ça, la dernière fois, je crois. Mais si je fais ça. Je vais voir, sinon je referai la bise. Il rit, ok, non, je refais la bise. Je veux pas qu'il rigole. Il va se foutre de ma gueule après. Oh. En voyant mon mouvement, Colin sourit encore. Ça me rappellera bon vieux temps. C'était deux fois, c'est ça? Oui, vous, en Alsace, vous faisiez toujours deux bises. Ah oui, c'est vrai, elle fait pas de bise, elle. À Limoges, pas? Je sais plus, ça fait une éternité que je n'ai plus fait ça. Si, si, deux, c'est très bien. De toute façon, ça fait plusieurs années que je suis à Paris pour mes études. Oui, avec ma sœur, ça a dû suivre quand même. Il se penche vers moi d'un côté et puis de l'autre. Ses joues effleurent les miennes, ses mèches blondes me chatouillent un peu le nez. On t'a apporté un petit cadeau de France pour ne pas te débarquer chez toi les mains vides. C'est Mina Chan qui l'a choisi et on espère que tu en profiteras bien. Colin pose ses yeux noisettes sur moi et me sourit tandis que je lui tends le joli sac. Un joli sac. Ouais. C'est vraiment très gentil, merci. Je lui souris en retour. J'espère qu'il appréciera ses petites trouvailles avec les délices de France. Avec un peu de chance, ses amis aimeront aussi goûter. Et puis, je me voyais pas arriver les mains vides alors qu'ils nous accueillent chez eux. Ah, Neymar, ce sont des macarons et des chocolats des meilleures enseignes de Paris. Colin ne fait pas mine de regarder ce qui se trouve dans le sac, mais je sais que c'est normal en Corée. J'imagine que vous ne devez pas souvent refaire entrer des filles ici. En effet. Est-ce qu'on est les premières? Pas exactement. Sa réponse m'intrigue, mais Claire ne la relève pas et pose déjà une autre question. Et ton coloc qui nous a offert la porte, il est où? Il est apparu puis a disparu, pouf. C'est même pas présenté. C'est Aniel. Il nous donne une information, mais l'énonce également comme si ça voulait tout dire. Oui, je sais comment il s'appelle. On peut aussi te citer les noms et surnoms des autres par le menu, évidemment. Ce n'est pas comme si ce n'était pas écrit partout sur le net. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Colin passe une main dans ses cheveux. Je vais l'appeler. En attendant, vous venez vous installer dans le salon. Il nous précède dans la pièce et nous fait un geste vers les deux grands canapés blancs. Il s'éclipse ensuite tandis que nous prenons place. Je regarde autour de moi à m'en dévisser la tête. C'est donc à ça que ressemble l'appartement, le dorme d'idole de K-pop. C'est plus petit que ce à quoi je m'attendais, moins luxueux. Et plus banal aussi. En fait, ça ressemble un peu à notre appart, à notre propre appart. On ne peut plus normal. En même temps, ils ne vont pas placarder des posters représentant sur tous les murs, je suppose. Dans une vitrine, je repère quand même quelques statuettes qui brillent des récompenses. En tout cas, il y a la clim, Claire avait raison. Et c'est tout ce que je demandais. Rebonjour. Claire, voilà, ça y est, je vais dire n'importe. Oh là là. Annelle réapparaît en compagnie de Colin, la figure toujours illuminée d'un grand sourire. Il se plaint devant le canapé. Il a tout à fait abandonné l'anglais pour le coréen. Désolée, je me suis pas attardée tout à l'heure, mais j'avais quelque chose sur le feu. Vous avez quel âge alors? Encore cette question. 23 ans. 3 ans en moins que moi alors. Et vous êtes venu à Séoul pourquoi?
Pour nos études, on est en première année de master et on fait un échange d'un an. Ah oui, vous faites des études de quoi, vous? De coréen. Ah, je comprends. Il se tourne vers moi, son sourire toujours accroché à ses lèvres. Tu parles très bien notre langue, en tout cas, waouh! Je vais mettre ça cette fois. Colin en rajoute une couche à mon plus grand plaisir. Je t'avais jamais entendu parler coréen, Mina-chan, et je suis d'accord avec Taiwan. C'est un lien à elle et son nom d'idol. Donné par les fans! Wouh! Et Taiwan, c'est son vrai prénom. Ah, ça, je le sais, hoche la tête. Ouais. Hoche la tête. Déjà, je le sais, hoche la tête. C'est tellement pas logique. Il s'est ensuite du coq à l'âne avec une nouvelle interrogation. Vous n'êtes pas marié, je suppose, si vous faites un voyage si loin de votre pays si longtemps. Je laisse échapper un petit rire. Ouais. Décidément, cette manie coréenne de demander aux inconnus des détails hyper personnels ne cesse de me surprendre. Quand Claire s'y est mise après avoir redébarqué à Paris, je pensais que c'était parce que nous étions de la même famille. Non, on n'est pas mariés, c'est sûr. Claire, qui paraît parfaitement à l'aise avec Agnès, l'interroge à son tour sans tergiverser. Tu nous disais que tu avais quelque chose sur le feu tout à l'heure. Tu cuisines donc? Avec sourire et grâce, Agnès se laisse tout à coup tomber sur le divan entre Claire et moi. Je vais mettre ça plutôt. Mais très mince, mais je ne voudrais pas lui donner l'impression de le coller. Même si je n'avais rien demandé, c'est lui qui s'est installé là. Ceinturelle sans chichi me surprend d'ailleurs un peu. Et tiens, je ne savais pas qu'il cuisinait, il n'en parle même pas dans ses interviews. Une info secrète que les femmes s'arracheraient. Agnès se tourne vers ma cousine et pour lui répondre, elle secoue la tête. Ah non, je ne cuisine pas du tout. J'étais en train de rempoter quelques cactus. Ce sont comme mes bébés. Il faut que j'en prenne soin. Je me souviens en effet avoir lu dans un magazine que Agnès affectionnait particulièrement ses plantes. Il bondit sur ses pieds nus. Vous voulez les voir? Il y en a déjà sur le balcon. Il a les yeux pleins d'étoiles, le sourire rempli de lumière. Comment lui dire non? Vous risquez d'entendre souvent parler de ces cactus, alors autant faire leur connaissance maintenant. Colin rit tandis que Claire et moi suivons le mouvement vers les grandes baies vitrées. En vrai, les traits du visage de Anel sont encore plus doux que sur Pixel. Ouh. Il est plus androgyne aussi, il est plus éthéré. Je comprends d'autant mieux pourquoi les fans coréennes lui ont donné ce surnom d'archange. Anel saisit un cactus, surmonté d'une boule rouge et le brandit vers nous. Celui-ci s'appelle Aldébaran pour la géante rouge. Ils ont tous un nom d'étoile pour rester en phase avec notre nom de groupe. Sauf... Il repose le précédent et étend la main vers une autre plante, dans un pot entouré d'un ruban blanc. Celui-ci s'appelle Anseo. C'est le nom de la fan qui me l'a donné quand on l'a rencontré pour réaliser son rêve. Elle s'était inscrite auprès d'une association qui réalise les grèves de gens malades et elle voulait nous voir. Mais elle était en phase terminale du cancer et elle est morte peu après. Alors c'est comme si elle était une étoile aussi après tout. Oh. Je sais pas comment commenter ça de façon plus intelligente. Je me sens toutefois touchée par cette histoire dont j'avais aussi vaguement entendu parler. L'entendre en vrai et voir la plante et son petit ruban, ce n'est pourtant pas exactement pareil. C'est étrange que tu n'aies pas reçu de milliers de cactus de la part des fans. Agnès pose la plante et rit. J'aimerais bien, mais malheureusement, l'agence ne veut pas et interdit les cactus comme cadeau. Heureusement, tu veux dire. Il n'y aurait plus de place pour nous dans l'appart. Colin fait un pas sur le côté et une main dans ses cheveux blonds. Et je vais aller chercher Mchan pour que vous l'encontriez aussi. Bonne idée. Arrêtons, on va tous se voir souvent maintenant qu'on est à Séoul. Je compte rattraper le temps perdu et je vais te suivre à la trace entre mes cours. J'hésite, puis je demande quand même à mon cousin parce que la question me taraude. Est-ce que les deux derniers membres du groupe sont là? Avant de disparaître dans le couloir, Colin secoue la tête. Non, Ginny est partie danser et Jia est à son cours d'apkido. Mais le temps qu'on prenne un verre, ils seront sans doute de retour.
Un verre, excellente idée. Nathan ne se plaignit de la chaleur dehors, alors elle doit avoir soif, et moi aussi d'ailleurs. Je rougis un peu embarrassé. Colin hoche simplement la tête, et Aniel, absorbé dans le repositionnement artistique de ses poses sur la tablette où il s'alignait, n'écoute plus la conversation. Comme on allait passer les vacances en Corée quand on habitait encore en France, j'étais habituée au climat. Sinon, j'aurais sans doute crevé moi aussi l'année où je me suis établie ici. Claire jette un regard aigu, mais il disparaît derrière l'angle du mur avant qu'elle n'ait plus lui dire quoi que ce soit. L'expression un peu pensive, elle se tourne vers moi et change de langue. Ah, il m'avait manqué quand même. Et je ne me rappelais pas à quel point avant de l'avoir à nouveau devant moi. Pour moi, c'est comme une découverte. Je me souviens pas assez. Après notre court échange en français, ma cousine me reprend en coréen. En parlant des découvertes, hâte de faire la connaissance de ses autres amis. Aniel tend soudain sous notre nez un cactus rond qui paraît recouvert de poils argentés surplombés de petites fleurs jaunes. En attendant, vous pouvez faire la connaissance de Bételgeuse. Du coup, bah, je vais mettre là. Oh, oups. Bah du coup, cette fois, j'ai rien à dire. On se retrouve... Enfin... Je suis contente de redécouvrir le jeu parce que je me souviens pas d'autant de trucs. Et du coup, c'est ça qui est cool. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Moi, je vais prendre une pause de 2 semaines. Enfin, vous, ça vous fera pas de changement. Mais moi, je serai pas chez moi. Voilà. Du coup, oui, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!